voilà au Crotoy. Eh Nicolas, on est au Crotoy. Oui, on est au Crotoy. On va enfin essayer de faire voler le drone après avoir rechargé les batteries. Ouais. Après avoir trouvé une zone où on avait le droit de le faire voler. C'est une zone qu'on connaît en plus. C'est une plage qui est vachement originale, qui nous avait surpris la première fois où on était venu, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est enfin, une plage mais sans eau. Il y a de l'eau mais elle est loin quoi. Tout le temps marée basse. Voilà. Et vous savez quoi? On a eu la chance de croiser la police de la réserve naturelle. Du coup, au moins, on a pu demander de confirmation de où est-ce qu'on pouvait faire voler le drone sans être en infraction et tout ça. Comme ça, on est sûr qu'on peut le faire voler ici. On est dans la légalité la plus totale. Darkest hour, I wanna come for you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head, when in the real world is snow. Et là, c'est Lucie qui essaie de s'initier à la conduite du drone. J'ai pas entendu ce qu'elle a filmé tout à l'heure, mais je pense qu'elle s'est moquée de moi. Donc maintenant, c'est moi qui me moque d'elle. Non, je me suis pas moquée un peu. Non, ça va. Ce qui est incroyable au Crotoy, c'est que donc vous avez des zones de sable comme ça où l'eau se retire et revient. Et vous avez toute une végétation qui au printemps-été devient toute rosacée violette. On essaiera de vous retrouver une photo, on en a une normalement où on voit cette végétation en fleurs. Vous avez aussi tout un sentier pédestre qui passe là derrière. Dans les forêts et les pins. Donc c'est aussi un petit sentier agréable à voir. Hey, bonjour, c'est le troisième jour, on est fatigué. Il fait pas beau, il n'y a plus de soleil. Bon, il pleut pas, c'est le principal. Aujourd'hui, on est que tous les deux. Camille est partie. On s'est abandonné. Bref, on pense à toi, Camille. Et du coup, on est au Tréport, on est au marais de Sainte-Croix. C'est une zone qui a été. Un marais qui a été réhabilité en 2013, qui a été ouvert au public. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais bon, vu la météo. On verra. Ils disent qu'il y a du gorge bleu à miroir et du martin pêcheur. Soi-disant. Ils disent tout le temps qu'il y en a, mais il n'y en a jamais. On verra bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pense de cette vue sur l'usine? Regardez-moi ces petits crâneurs qui se dandinent du cul. Lucie, trop fière d'avoir enfin des images de troglodyte correct. Troglodyte, aussi surnommée la plaie du photographe. Je pense qu'ils sont vraiment sur une pariane nuptiale parce qu'il y a deux individus de troglodyte. Et il y en a un qui est vraiment en mode chant plus. L'autre un peu moins, on peut supposer du coup que ce soit la femelle. De toute façon, on va vous la mettre dans la vidéo. Vas-y, nickel. Fais-toi les plumes. Il y a l'autre. Oh, il monte son cul.
Putain, il y a l'autre qui s'approche. On a eu une espèce de plus. Il y avait le Puyo Veloz. Voilà, c'est tout. T'es content? Le Puyo Pocas. Évidemment, on est toujours à la recherche d'un Martin Pêcheur. Tout un gorge bleu à miroir, s'il y a ça sous la main. Mais bon, on n'y croit pas trop, quoi. Après, vous me direz, avec le troglo, on a eu de la chance, quand même. Et voilà, notre petite balade ici se termine. On aura passé la matinée ici. C'était super sympa. On n'aura pas pu faire tous les chemins. Ça nous donne l'occasion de revenir. Notamment revenir avec une meilleure météo. Peut-être qu'on aura du coup plus de chance. On a vu quelques petits passereaux. Pas mal de petits canards aussi. Foulque, canard colbert, etc. Et peut-être aussi un buzzard des roseaux. On a vu passer au-dessus. Une tache marron dans le ciel. Ouais, c'est ça. Moi je pense quand même. Moi je pense pas. Bon. Un mot pour finir, Lucie? Fatigue. D'accord. Bon, je dirais que c'était cool. Voilà, c'est la fin de notre vlog en baie de Somme. Voilà, une nouvelle fois, on vous a fait une petite vidéo en baie de Somme. Et c'est vraiment. Une région avec tellement de choses à visiter, c'est... Et puis on n'a pas encore tout vu. Mais on n'a pas encore tout vu. Ouais. Allez, à la prochaine tout le monde. À la prochaine.